Les secrets d'une langue. Se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire se satisfaire d'un premier succès, ne pas poursuivre sur la voie d'une carrière pourtant bien commencée, avoir le sentiment d'en avoir déjà suffisamment fait. Pour comprendre cette expression, il faut se rappeler que dans l'Antiquité, que ce soit à Athènes ou à Rome, le laurier était le symbole par excellence de la victoire et du succès. Victoire d'un général qui revenait en héros de la guerre, on lui tressait une couronne avec des branches de laurier. Succès d'un athlète lors d'une importante compétition ou d'un auteur lors d'un concours de poésie, on posait sur sa tête cette fameuse couronne de laurier. Un rite qui remonte à la mythologie grecque autour d'Apollon, entre autres dieu du chant et de la musique, mais aussi capable de se prémunir de l'avenir. Seulement voilà, chez nous, pauvres humains, il arrive de se satisfaire d'une première réussite et de faire preuve de peu d'ambition pour la suite, d'estimer que ce qu'on vient d'accomplir est suffisant et qu'on peut s'arrêter là. C'est le sens de l'expression « s'endormir ». Dormir sur ses lauriers, oublier qu'un succès ne peut être durable que si l'effort est poursuivi. D'une phrase encore, un mot très connu descend directement de cette représentation du prestige qu'est la couronne de laurier, c'est le mot lauréat.